hear is the sound of the word decision, a cutting away of doubt, making up one's mind. Jean-Louis Baptiste a arrêté ses études à 20 ans en terminale, il décide de tout plaquer. Décision intelligente, il échouerait au bac pour la troisième année consécutive. Il cultive la fainéantise, il butine à la paresse collective et sèche les cours avec ses potes. Dans sa piole, il habite tout seul depuis sa majorité, 56 mètres carrés à proximité du marais, c'est sa zone. En plus d'être égoïste, il voit les films depuis l'âge de 13 ans. Peut-être qu'il se tape un gros fixe, mais non, et avale un petit truc qui te scotche les dents. Il s'arrache sur sa trottinette. JLB a rendez-vous avec une pute chatée sur internet. Le village planétaire, son tarif est excentrique. Mais monsieur a quelques briques sur son compte, donc il peut se la raconter avec ce visage qui a l'air d'être refait. Passons, ce garçon est une caïra avec ses darons, aucun respect. C'est une espèce néfaste. Il a ce style paumé pour essayer de gommer son côté friqué, mais son attitude n'est tout simplement pas naturelle. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Les vacances écolo, Saint-Paul en vélo, hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane, une nouvelle pile de livres importée de Boston. Sur mesure les costumes dans des restos chics en guest star. Fest avec la fille de Bill Clinton. Un solarium déverse des pluies de paillettes d'or, virant de l'orange au mauve selon l'emplacement de notre planète par rapport à ses astres. Moulure au plafond dans les chambres, exposée plein sud très vaste, la grande classe Nestor. Écarte tout facteur déstabilisant, rate pour son épanouissement personnel. Le cocktail de la réussite est générationnel, le fait d'être ponctuel, toujours fonctionnel. Estelle complètement chez père, sous acide, avale des barbituriques pour redescendre. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Elle traîne dans des squats d'artistes. Elle teint ses cheveux en rouge pour se donner l'impression qu'elle existe. Jamais un sou en poche pour se donner l'impression qu'elle résiste à la pression dans la société de consommation, alors que sa fortune est placée sur un compte en banque helvétique. Elle écoute Louise Attack parce que sur scène, ils ont trop la patate. Elle aimerait avoir des potes en banlieue, mais la réalité la rattrape. Elle écoute aussi du rap conscient depuis trop longtemps parce que le système, il est vraiment pas juste et ça la rend pas contente. C'est pas de sa faute si ses parents sont avocats, elle a pas eu de chance, elle ne comprend pas, elle aurait bien aimé avoir le choix. En même temps, quelquefois, ça ne la dérange pas de conduire la Laguna de papa pour se rendre à son cours de capoeira. Son petit frère est MC, depuis qu'il boit de la 8-6, il s'invente une vie. Et tous les lundis après le catéchisme, il rêve de Tessie, il rêve d'avoir des soucis. C'est tellement chic de ne pas avoir de fric, tu saisis? Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Chez moi, c'est la misère. Ah ouais, t'as trop raison. Ici, c'est la galère. Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte. How do these words summarize for us the basic tragedy of the pawn? Think back to an event in your own life which involved an important decision. Do you feel now that a different decision would have changed things for the better?